Eh ben écoutez, ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'information comme BFM TV consacre une heure en direct à ce roi des beaufs qu'est Jean-Marie Bigard. Je retire mon masque parce que c'est plus facile. Vous pourrez lire sur mes lèvres comme ça, hein. Alors là, ça me met... Mais fou, quoi, hein. Je comprends pas comment on peut donner une heure d'antenne en direct à un abruti total, voilà, qui en plus nous explique qu'il va peut-être se présenter à la présidentielle. Ça pourrait m'intéresser si je sentais l'utilité d'avoir quelqu'un de sincère qui représente réellement le peuple. Et ensuite, qui tient des propos avec un masque où il nous adresse à tous un mot de bienvenue qui consiste à dire « Allez tous vous faire trois petits points ». Vous militez pour la réouverture des bars, ça sauverait des entreprises, absolument, ça apporterait un peu de joie, dites-vous. Vous l'avez publié en vidéo pour le faire savoir. C'est quand même son rôle à lui d'artiste avec 3 H devant, parce que vraiment on se demande s'il en est un. Moi je ne me revendique pas comme un artiste, mais jamais je pourrais tenir des propos si bêtes, quoi. C'est gravissime. Alors j'ai regardé parce que j'étais fasciné par le masque, quoi. Voilà le message du mec, le slogan du mec pour être élu, c'est aller tous vous faire trois petits points. Non mais hé, pépère, oh, il te reste 1 euro et tu l'as caché dans la cave ou quoi?